En fait, je m'appelle Amira et je vous présente la porte qui fait peur. En fait, cette porte qui contient des objets très très sales. En fait, à l'intérieur, il fait tout noir et on a vu des portes ouvertes et il y avait même un couloir et on croit même que c'est une maison. Et la porte contient des choses rouillées, des choses bizarres, des choses qui sont totalement noires et qu'on ne voit pas, qui sont très très vieux, abîmés et cassés. Et on peut entrer là? Est-ce que c'est ouvert? Essayez. Non, on peut fermer, c'est remplacé. Et avant c'était ouvert. Vous voyez de l'ombre à loin, au loin. Et aussi, on a eu trop peur, alors on n'est pas parti. Et quand on ramenait une lampe, en fait, c'était bizarre. La pile, elle était super bien. On l'a fait allumer, elle s'est éteinte direct. Super bizarre. On croyait qu'il y avait un esprit. Et quand on rentrait, en fait, il y avait des jouets, en fait, qui bougeaient tout seuls. On entendait des bruits bizarres. Et donc quand on entendait un peu des bruits de cadavres qui bougeaient. Non, pas du tout. On entendait des objets tombés. Et en plus, il y avait un carré, la marque, où on voyait comme ce carré et on voyait une tête. Ouais, voilà. Bizarre. Ouais. Et c'était sombre. Et moi, je voulais pas. C'était moi qui a exploré. C'était en fait une porte. On croyait que c'était une tête d'humain empaillée. Mais en fait, c'était. Granique Geo Barbie. Et c'était quoi plus... Une poupée. Bonjour. Je m'appelle Mohamed. J'ai 9 ans. Je voulais vous raconter une histoire. Et ben, mon histoire s'est passée quand j'avais 4 ans ou 3 ans, je m'en rappelle plus beaucoup. Je jouais comme d'habitude avec ma sœur. Et il n'y avait que nous deux, il n'y avait personne d'autre. Ma mère m'a dit qu'elle est partie faire les courses et mon père n'était pas là lui aussi. Au début, c'était très très bien. On jouait tranquillement. Mais au bout d'un moment, ça a un peu mal tourné. Il y avait une table et après, au rebord de la table, ici, il y a un carré. Et je me suis tapée contre ce rebord. Je me suis cassé le bout du nez. Ici, là, il y a toujours la trace. Et ma soeur a appelé ma mère pour lui dire que je saignais. J'avais beaucoup mal et je me suis même carrément évanouie. Et voilà, c'était mon histoire. Bonjour, je m'appelle Maïcha. J'étais chez moi. On a mangé. Après, on est allé se coucher avec ma soeur. On partage la même chambre. On est allé dormir et après, j'ai entendu du bruit sur mon lit. J'ai cru que c'était un monstre. Et après, je suis partie dehors et j'ai crié avec ma soeur. J'ai crié et après, on était venus dans la chambre. On a appelé mes parents, ils sont venus dormir avec nous. Mes parents, ils nous ont laissés. Et après, je suis restée éveillée. Et après, ma soeur, quand elle s'est rendormie, plus tôt que moi. Et après, elle a commencé à ronfler. Et après, là, j'ai compris que c'était pas un monstre sur mon lit, mais c'était ma soeur qui était en train de